Après que, en fait, c'est venu après que Régine m'ait proposé de présenter un projet pour Femina, mais je voulais de toute façon raconter une histoire de femme, comme ça, j'y pensais depuis quelques temps, donc j'aimais bien l'idée de la femme médecin. Voilà. C'est vrai que j'ai plus de mal à dessiner les hommes, et souvent quand je les dessine, je donne toujours des. C'est toujours un peu. Des débiles. J'ai du mal à dessiner des hommes vraiment sympathiques, donc marre pour ces personnages, je voulais évidemment qu'ils soient sympas et tout. Mais... donc bah, il y aura Lola, on en a parlé, elle est médecin, et alors elle vit, elle n'est pas mariée, mais elle vit avec son petit ami, son copain qui s'appelle Cédric et qui est pharmacien. Il est gentil, un peu gentil, comme ça, mais il s'aime, pour l'instant, il s'aime. Et donc il y aura aussi la mère de Lola qui elle sera vraiment drôle. En fait ce sera une mère célibataire, elle sera femme célibataire, on ne saura jamais où est son père. Et donc sa mère sera un peu... elle reviendra toujours d'un voyage en Inde, elle est très spirituelle et elle se baladera toujours pieds nus surtout, elle n'aura jamais de chaussures sa mère. Et donc elle est très avec ses chakras, elle aime bien aussi le commerce équitable, je ne sais pas, elle me dit qu'est-ce que c'est ton pull, c'est pas du H&M j'espère, enfin... Des trucs comme ça, et elle aura aussi sa secrétaire. Donc, sa secrétaire, c'est une de ses amies d'enfance qui, donc à qui Lola a donné un travail, quoi. Et cette fille, en fait, elle est pas très sympa. Elle sera toujours en train de se remaquiller, de se faire toujours les ongles à son bureau, mais elle sera un peu salope avec Lola, en fait, ouais. Parce qu'elle va toujours profiter du fait que Lola elle soit super gentille et. Donc elle sera pas très très sympa, elle va souvent lui faire des petits pics, etc. Et donc Lola, elle a encore une autre copine, et elle a un ami d'enfance aussi. Je suis pas sûre d'avoir trouvé son nom, je pense que ce sera Fulgence ou quelque chose comme ça, et il sera très coincé. Elle aura rencontré en médecine ce mec-là, et il aura des petites lunettes, il sera très coincé. Et en fait, il est secrètement amoureux d'elle, mais ça, on sait pas encore. Voilà, ça, on se coupe. Ah non, je pense pas que ce sera moi, non. Parce que Lola, je pense la faire vraiment gentille, un petit peu... elle va un petit peu se... un peu timide, comme ça, elle se laissera un peu marcher sur les pieds. Elle aura une amie, justement, un peu méchante qui va la harceler, plus ou moins. Enfin, pas si méchante, mais un peu rentre-dedans. Donc elle sera très douce, très... Donc non, pas du tout.